Hey, bonjour à tous, c'est Brazy, votre gamer favori. Donc, on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 24 mai 2023. Donc, vous savez que tout à l'heure, dans quelques minutes, pardon, il y aura la mise à jour de la saison 3. Donc, je vous fais la dernière boutique de la saison 2, du chapitre 5, bien évidemment, de Fortnite. Mais tout à l'heure, on se retrouve vers 5h30, les amis. N'hésitez pas à venir nombreux. Il y aura 3 passes de combat à gagner en tirage au sort. Donc, tout le monde aura sa chance, en fait. Hein. Tout le monde aura vraiment sa chance de gagner. Il y aura 3 passes de combat plus un skin secret. Ça, vous le saurez tout à l'heure, bien évidemment. Enfin, je vous dis pas plus. Mais si tu auras plus de chances de gagner, n'oublie pas de mettre le code Brasier. Hein. C'est la seule chance que tu as de gagner un peu plus. Tu as plus de chances de gagner si tu mets le code Brasier, parce qu'à ce moment-là, il y aura un petit boost qui sera fait. T'inquiète pas, j'ai trouvé, j'ai réfléchi. Il y a peut-être un petit boost si tu as le code Brasier qui te permettra peut-être d'être détecté plus facilement par le Nightbot, et ça fait que tu auras plus de chances de gagner. Trois potes, de toute façon, il y aura 3 phases de combat, donc 3 tirages au sort. Pas en même temps, bien évidemment, hein, dans la soirée, on va dire. Voilà, donc on sera là pour jouer tous ensemble, comme d'habitude. Bien évidemment, vous pourrez tous jouer avec moi. Voilà, tout simplement. Donc, et ce sera à partir de 5h30. Donc, tout à l'heure, je vous retrouve, les amis. Donc, sur ce, pour l'instant, je vous laisse avec la boutique du jour de Fortnite. Donc, elle joue avec le pack Tortue Ninja pour 3400 V-Bucks avec Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphaël. Donc, chacun avec leur accessoire de dos, leur version Lego et leur pioche. Le tout pour 3400 V-Bucks. Hors pack, vous avez Leonardo avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1600 V-Bucks. Vous avez Michelangelo avec son accessoire de dos, sa pioche et sa version Lego pour 1600 V-Bucks. Donatello donc avec sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 1600 V-Bucks. Et Raphaël donc pour finir avec sa version Lego, accessoire de dos et pioche pour 1600 V-Bucks. Ensuite vous avez toujours le pack Aprionil donc avec Aprionil et ses deux accessoires de dos, sa pioche, ses 9 aérosols donc le tout pour 1800 V-Bucks et sa version Lego bien évidemment. Alors pas que vous avez Aprioni donc avec son accessoire de dos et sa version Lego pour 1500 V-Bucks. Les carapaces de héros, donc ça c'est le deuxième accessoire de dos pour 400 V-Bucks. Donc vous pouvez personnaliser avec tous les aérosols qui se trouvent dans votre casier. Vous avez déjà 9 à la base, donc la carapace donc change de couleur avec les aérosols, le tout pour 400 V-Bucks. Ensuite vous avez le micro Ascoupe, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le bâton de Spitter, c'est la pioche donc de Spinter, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, avec sa pioche qui est son bâton de Spinter pour 800 V-Bucks justement. Ensuite vous avez toujours pack Lewis Hamilton, donc avec les deux Lewis Hamilton orbital et le normal, avec leurs différentes customs, leur réactivité réagissent donc à la vitesse, donc avec leur version Lego, leur accessoire de dos et leur pioche, donc le tout pour 2400 V-Bucks. Alors pas que vous avez Lewis Hamilton pour 1500 V-Bucks avec sa version Lego et son accessoire de dos, Lewis Hamilton orbital avec sa version Lego et son accessoire de dos et sa pioche pour 1800 V-Bucks, la planche à scie à saison planaire pour 800 V-Bucks, le jour de course en vêtements d'armes animées pour 500 V-Bucks. Ensuite vous êtes sur le pack Lady Gaga, donc avec la Gaga Chromatica, sa version Lego, sa petite emote plus exaltante, donc sa basse, son micro et sa piste musicale pour 2800 V-Bucks. En pack, vous avez Gaga Chromatica avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks. La basse Chromatica, c'est sa basse pour 800 V-Bucks. La plus exaltante, c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks. Le micro Chromatica, donc son petit micro pour 800 V-Bucks. Et la Stupid Love, donc c'est sa petite piste musicale pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Terra Fluo, donc pour 1200 V-Bucks avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Et décoration en mode de vie fluo, donc c'est cette décoration pour le mode Lego pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours dans le Lego Fortnite, l'extérieur de Tatooine, c'est toujours la série Star Wars pour 600 V-Bucks. Le gadget extérieur de Tatooine, c'est pour 700 V-Bucks. Et le gadget extérieur de l'Empire pour 700 V-Bucks. Ensuite, vous avez le repère de l'Empire pour 750 V-Bucks. La chambre de l'Empire pour 450 V-Bucks. La cuisine de l'Empire pour 250 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours l'ensemble aucune limite avec Electroshock pour 1800 V-Bucks. Avec sa version Lego, son emote du héros et son emoticône pour 1800 V-Bucks avec l'emote intégré, donc avec boule de feu, donc pour 1800 V-Bucks avec sa version Lego, son emote intégré et son emoticône et sa version Lego pour 1800 V-Bucks. Rétroaction, donc pareil, donc pour 1800 V-Bucks avec l'emote intégré et sa version Lego. Le pister pour 1800 V-Bucks, donc c'est l'ensemble qui limite, c'est super héros que vous pouvez éventuellement customiser pour 1800 V-Bucks. Donc l'itinérant pour 1800 V-Bucks, envol pour 1800 V-Bucks, voltage pour 1800 V-Bucks, polarité pour 1800 V-Bucks et magnetica pour 1800 V-Bucks. Ils ont tous leur emote intégré et leur emoticon ainsi que leur version Lego. Ensuite vous avez l'équipement de héros, donc avec le pack d'équipement de héros, donc il comprend donc le vaisseau éthéré qui est la pioche, l'emoticap c'est un accessoire de dos, l'hologramme dorsal un deuxième accessoire de dos, le cyclo bleu c'est un emote et le gâteau notre emote, le tout donc pour 1400 V-Bucks. Ensuite pour 400 V-Bucks vous avez l'emoticap pour 400 V-Bucks, le faisceau éthéré c'est la pioche pour 1200 V-Bucks et l'hologramme dorsal pour 400 V-Bucks. Ensuite vous avez le style emblématique avec l'as de la tempête avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks, avec Asphalt donc avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks, Mir avec sa version Lego et son accessoire de dos, il est réactif et région d'illumination pour 1500 V-Bucks, Banshee donc avec sa version Lego et son accessoire de dos qui fait son retour pour 1200 V-Bucks,
Criteria, donc il fait son retour avec sa version Lego et son accessoire dodo pour 2000 V-Bucks. Pepper Nickel, donc c'est une petite emote. Saison 5, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Soulève le toit, donc c'est la mythique, donc pour deux, saison 1, chapitre 2 pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack œil de tigre, donc avec œil de tigre, avec sa version Lego, avec son tigre Cybercroc et son accessoire, la trancheuse enflammée, c'est sa pioche et l'empreinte tigresque, son rayonnement d'arme pour 1600 V-Bucks. Alors, pas que vous avez la trancheuse enflammée, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Enfin, non, pas que vous avez Bengal avec sa version Lego pour et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. La trancheuse enflammée, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. L'empreinte tigresque, c'est son vêtement d'arme pour 300 V-Bucks. Et GIA, donc il fait son retour, donc avec sa version Lego, il fait partie ensemble de Pilleuse Osseuse saison 6, chapitre 2, donc avec ses différentes customs en bleu ou pas. Avec ou non, ou sans son masque, voilà tout simplement. Donc, avec sa version Lego, avec ses dents de défense, accessoires de dos et les axes chimalières, donc qui est sa pioche pour 1600 V-Bucks. Ensuite, vous avez chauffé de fourmiller les moteurs avec le pack Diestro et ses différents stickers pour 1500 V-Bucks. Le pack Mazamune avec ses différents stickers pour 1500 V-Bucks. Le turbo Soundtrack, donc c'est un petit turbo pour 250 V-Bucks. Le turbo éthéré, c'est le deuxième pour 250 V-Bucks. Les roues sont taffées pour 700 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Elilich avec sa version Lego, ses deux accessoires de dos, sa basse et sa batterie et sa guitare, le tout pour 2300 V-Bucks. En pack, vous avez Billy aux racines rouges, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Le Shark, accessoire de dos supplémentaire pour 400 V-Bucks, il est réactif et réagit à la musique. Le Charleston enflammé, c'est sa batterie pour 800 V-Bucks. Et la guitare rouge, c'est sa petite guitare pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous êtes sur le pack Royal, donc avec Elilich toujours, donc avec ses deux pistes musicales et ses deux emotes, avec You Should Mind and See Men pour 500 V-Bucks. Le Bad Guy, donc c'est la deuxième emote pour 500 V-Bucks. Zen In For I Am, c'est la première piste musicale à 500 V-Bucks. Et Happy New Year Than Ever, c'est la deuxième, donc pour 500 V-Bucks également. On écoute un court extrait. Ensuite, équipez-vous pour le Fortnite Festival, donc toujours avec la menthe musicienne, sa batterie pour 1000 V-Bucks. Le tournement de basse pour 1500 V-Bucks, sa petite emote. Le décollage imminent, c'est notre petite emote pour 500 V-Bucks. La gratte de la menthe, c'est la guitare pour 1000 V-Bucks. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales, donc avec du Gaga, du The Weeknd, du Eli Elish, du Barbie Girl, voyez, du Aqua, etc. Vous avez 97 pistes musicales pour 500 V-Bucks. La piste musicale pour l'avoir directement dans votre casier. Enfin, vous choisissez votre fonction préférée pour l'avoir dans votre casier. Sinon, vous les retrouvez toutes dans le Fortnite Festival. Ensuite, vous avez donc toujours le pass et club de Fortnite, donc toujours avec le pass festival de la saison 3, donc pour 1800 V-Bucks, qui vous permet de gagner pas mal de choses, des nouvelles customs de Billy Lich, sa version Lego, elle y est déjà. Donc des différents instruments et des nouvelles pistes, vous débloquez ça au fur et à mesure, mais vous les débloquez gratuitement déjà en jouant Fortnite Festival, donc vous débloquez une partie, donc là c'est votre partie pour 1800 V-Bucks, donc vous achetez carrément le pass. Ensuite vous avez toujours le pack de quête de démarrage de Fuse pour 9,99€ avec Fuse et sa version Lego, ses différents stickers avec des quêtes supplémentaires pour débloquer les stickers pour sa voiture. Ensuite vous avez toujours le pack Guardian Galaxy pour 19,42€, le pack Winterman 2.0 pour 18,49€, donc à canaliser permanent comment sauver le monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks vous pouvez gagner jusqu'à 1500 V-Bucks donc en accomplissant les quêtes, en déverrouillant j'arrive plus à parler les amis. Accès à combat de le monde, vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les 4 pour déverrouiller, en terminant la défense du bouclier de tempête base 3 dans sauver le monde pour déverrouiller donc les nouvelles quêtes, donc avec qui comprend la tenue vide d'Armbot 2.0, donc avec sa version Lego, avec son accessoire de dos et sa pioche, le tout pour 18,49€. Ensuite, vous avez toujours le pack de démarrage opération Fluo pour 3,75€, donc toujours avec l'agent de Fluo, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos et ses décorations pour sa chambre. Sinon, vous êtes sur possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélités au club, avec des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est délivrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez un pass de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois de la facturation du club. Et ce mois-ci, en cadeau, c'est toujours Psycho, la chasseuse d'esprit, avec sa version Lego, avec son question abyssale, accessoire de dos et la défaillance d'esprit. C'est sa pioche, donc voilà le tout pour 12€ par mois les amis si vous souscrivez aujourd'hui Club Fortnite. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager et mettez-moi en commentaire si vous participez ce soir donc pour les 3 passes de combat en tirage au sort à gagner. Donc mettez-moi votre pseudo par exemple en commentaire, ou alors le pouce bleu, déjà mettez-moi le pouce bleu pour me dire que vous avez vu la vidéo et que vous avez vu en début, donc n'hésitez pas donc voilà mettre un petit commentaire
Et non, pas mettre votre pseudo, mettez-moi en commentaire si vous avez mis le code Brasier pour ce soir, parce qu'il y a 3 passes de combat, je vous le rappelle, donc en tirage au sort, et si vous mettez le code Brasier, vous aurez plus de chances d'en gagner, donc voilà. Et toi qui regardes mes vidéos, que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi vite, hein. C'est gratuit en bas à droite, tu cliques sur s'abonner, tu peux activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, vous le connaissez par cœur, c'était le code de l'année dernière, c'est le code de cette année, c'est le code Brasier en majuscule, en minuscule, en majuscule, Fortnite, mettez fouillé, moi ça m'aide énormément. Et mettez-le pour ce soir surtout parce que ça vous donnera plus de chances de pouvoir gagner votre passe de la nouvelle saison qui commence, je vous rappelle tout à l'heure. Donc là, il y aura mise à jour et quand les serveurs seront ouverts, donc mais moi je serai en live à partir de 17h30, donc à ce moment-là, venez nombreux, pardon, si tu veux gagner ton passe de cette saison, de la nouvelle saison, de la saison 3 de Fortnite, donc n'hésite pas à venir. Et mettre le code Brasier si tu auras plus de chances de gagner. Donc moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et à ce soir. Ciao ciao les gars. Ciao.